Merci Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur, chers collègues du Bundestag, chers collègues français. Ma question porte sur les sanctions. Je reprends vos termes, Dr. Rödgen. Les sanctions ont un effet politique, économique et surtout psychologique. Les sanctions permettent de fixer des limites, car sinon la Russie a sa propre vision de ce qui est légal, de ce qui est possible ou pas. Et je voudrais vous parler d'un autre type de sanctions, puisque avec des collègues de la Commission des Affaires étrangères, nous avons eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Bill Browder. Comme vous le savez sans doute, Bill Browder est un ancien homme d'affaires devenu militant des droits de l'homme qui fait pression auprès de plusieurs pays via leurs parlementaires afin que soit adoptée une loi Magnitsky. Cette loi porte le nom d'un jeune avocat russe, Sergueï Magnitsky, qui a été assassiné pendant sa garde à vue par la police russe après avoir dénoncé une corruption de haut niveau. L'objectif de la loi Magnitsky, c'est d'imposer des interdictions de visa et de geler à travers le monde les actifs d'individus soupçonnés d'être responsables de graves violations des droits de l'homme. Pour certains militants des droits de l'homme, cette loi est devenue le seul mécanisme disponible pour véritablement responsabiliser les auteurs des violations des droits de l'homme. Actuellement, 6 pays ont adopté des lois Magnitsky, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et les Pays-Baltes dont vous avez parlé, Estonie, Lituanie et Lettonie. Nous étudions ce mécanisme qui pourrait s'appliquer à toute personne, quelle que soit sa nationalité, ça ne concerne pas que les Russes, toute personne qui commettrait des violations des droits de l'homme ou se rendrait coupable de corruption. Alors qu'en est-il de l'Allemagne? Votre commission a-t-elle été sensibilisée à ce sujet? Merci beaucoup.